dit souvent que le passé est un pays étranger. Et moi qui aime beaucoup voyager et apprendre d'autres cultures, pour moi, étudier l'histoire est une manière de voyager dans le temps, aussi bien que dans l'espace, de découvrir d'autres manières de concevoir le monde, de découvrir d'autres manières d'organiser une société. Et je trouve que cette réflexion historique, de voir d'où nous venons, est important pour comprendre où nous sommes aujourd'hui dans nos sociétés. Je suis à Nantes depuis 1996. J'ai vécu aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et pour moi, qui m'intéresse à l'histoire de l'Europe et du monde méditerranéen, c'est évidemment intéressant d'être prêt à des sociétés, des sources qui m'intéressent, et aussi d'avoir le sentiment que le travail que je fais en tant qu'historien est intéressant pour la société autour de moi, que mes étudiants, les lecteurs de mes livres voient l'intérêt, l'impact de mon travail historique sur leur compréhension du monde qui nous entoure. Donc à partir de l'année prochaine, je me lance dans un gros projet européen sur la place du Coran dans la culture européenne. Pour moi, ça me permet de pousser encore plus loin mes réflexions sur ces relations riches et complexes entre culture musulmane et culture chrétienne européenne.